Salut tout le monde, c'est Touski. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'équipe. Donc aujourd'hui c'est une équipe que j'ai appelée Time for Africa. Donc vous l'avez bien vu, c'est une équipe qui est constituée d'Africains. Donc je vais vous la présenter, c'est une équipe qu'on ne voit pas sur le live parce que personne fait ce genre d'équipe et pourtant elle est très efficace et elle est très bonne. Donc au goal j'ai mis un gardien camerounais je crois. Oui c'est ça. Donc Kameni qui joue en Liga BVA, il fait 1m86 donc il est très grand, il coûte 500 crédits, il est pas cher du tout. Et vous voyez sa tête de plongeon et de réflexe qui est très bonne. Après c'est sûr que son positionnement n'est vraiment pas très bon et son point fort c'est pas les relances parce que c'est vrai que ses relances sont pas toujours très bien. Au-dessus de lui j'ai mis Nkoulou, donc vous le connaissez, il évolue en Ligue 1 à Marseille. Donc c'est un défenseur qui est très rapide, 79 de vitesse. 80 en tête, vous voyez, il m'a marqué un but, donc ça va. Il coûte 1500 crédits sur le live, mais je pense qu'on peut le trouver un petit peu moins cher si on cherche. Il fait 1m80, il n'est pas très très grand, mais ça suffit. Au côté de Vorsa, je ne sais pas comment prononcer, qui évolue en D1 autrichienne, donc c'est un Ghanéen, 1m92, donc très grand. Il est très rapide, il est très bon en défense, il est très bon, une belle stat de force, très bon sur corner, enfin. Très complet. Et Stéphane Mbia, donc je l'adore. Mbia, il est très rapide, bon en défense, bon sur corner également. 1m89, donc il est très grand. Donc c'est une charnière centrale très dure à passer, très rapide et très solide. Au milieu défensif, j'ai mis Emmanuel Frimpon, je sais pas trop comment on prononce. Donc un joueur de Arsenal. Encore une fois, il est ghanéen. Il fait 1m78, donc ça va, c'est pas énorme, mais ça suffit. Et vous voyez ses stats très complètes, 70 en passe, 74 en vitesse, franchement des stats très complètes. Associé à un joueur, vraiment une pépite ce joueur, il s'appelle Anan, enfin Anthony en tout cas, après son nom de famille je sais pas trop. Donc c'est un joueur qui coûte 4000, pas cher du tout, pour les stats qu'il a. Donc ses stats c'est du 82 en vitesse, donc très rapide, du 74 en défense, donc très bon en défense, 67 en passe, 65 en tête. Donc pour une carte argent, c'est vraiment une très belle carte. Donc il est ghanéen, il évolue en Liga BVA. Il fait 1m75, pas très grand, mais voilà, franchement, il me satisfait vraiment beaucoup. En milieu droit, un joueur que personne ne connaît, je pense, il s'appelle Kebe, enfin je sais pas trop. Ouais, Jimmy Kebe apparemment. Il coûte 5000 crédits, donc c'est pas cher. Il évolue au Mali, et c'est un joueur de Barclays. Donc vous voyez ses stats, 4 étoiles de jet technique. C'est super, voilà, sur les côtés, j'aime bien tout le temps dribbler. Donc bon, avec Jimmy Kebe, on peut dribbler. Il a 92 en vitesse. Donc c'est vraiment une stat assez importante, quoi, 92 de vitesse. Surtout qu'on associe 92 de vitesse à 1m87. Donc il est très grand, très rapide. Et c'est vraiment rare de trouver des joueurs grands, rapides, techniques et puissants. Donc franchement, un compromis parfait, ce Jimmy Kebe. Il fait vraiment une super affaire en l'achetant. Milieu gauche, Oussama Assaidi. Donc le Marocain, niveau geste technique, c'est une merveille. Il dépose n'importe quelle défense en 1 contre 1 si vous savez un peu gérer les dribbles. Vous voyez, son 5 étoiles, il n'y a pas mieux, 84 en dribble. Il est très rapide, il a une assez bonne finition. Il est assez bon passeur. 1m78, c'est vraiment, franchement, un bon milieu gauche, hein, il me convient. Milieu offensif, Adel Tarap, on le connaît. Hein, 1500 crédits, 5 étoiles de geste technique, 5 étoiles de mauvais pied, 1m80, 80 de vitesse, 76 en tir. Enfin, vous le connaissez, quoi. Le large des stats, juste hallucinante, donc Tarap. Et en pointe, bah franchement, la doublette complètement craquée, hein, mais voilà, c'est une doublette. Donc Doumbia, 4 étoiles de technique, 91 de vitesse, il joue en Côte d'Ivoire et évolue en D1 russe. Et franchement, quel joueur, quoi, pour 1500 crédits, il fait des miracles. Et je l'ai mis avec Eto, quoi, donc Samuel Eto, on le connaît aussi, hein, 6000 crédits, c'est vraiment pas cher. Et il est très rapide, très bon frappeur, bon sur corner. Donc, ne vous fiez pas au nombre de buts que j'ai marqué avec ces joueurs. Par exemple, on voit Doumbia, 3 matchs, 1 but. Parce qu'en ce moment, j'ai des problèmes de connexion. Et plein de fois, en plein match, j'ai été déconnecté des serveurs. Et du coup, il y a plein de fois où j'ai fait des triplés, etc. Et des buts n'ont pas été enregistrés. Donc, le nombre de buts marqués par joueur ne veut strictement rien dire. Donc, c'est une Barclays que j'ai calculé son prix. Elle m'a coûté 30 000 crédits. Tout rond, vraiment 30 000 crédits 0-0, vous pourrez compter, mais c'est ce que j'ai marqué dans mes notes. Et franchement, pour 30 000 crédits, c'est une équipe d'Afrique
qui est très rapide, très puissante, dans le sens où les joueurs ont vraiment une belle salle de force, plein de talent. On voit 5 étoiles sur Axel, 5 étoiles chez Taraft, 4 étoiles ici, 4 étoiles, 4 étoiles, donc vraiment plein de skills, plein de vitesse. C'est vraiment une équipe. Pour 30 000 crédits, je pense que c'est une des meilleures équipes qu'on puisse se faire. Et de plus, sur le live, c'est des genres d'équipes qu'on ne voit quasiment jamais. Donc voilà, c'était tout ce qui est pour la présentation de l'équipe. Je vous laisse maintenant sur des phases de gameplay. Ciao les mecs! Step back, let a pro through. I'ma go through every rapper if I have to make it in this bitch. I'm taking every risk, every chance to succeed. I'm trying to be a star, no asterisk. Headphones on, so I'm zoned and gone. Another world's what I'm on. What's a pawn to a king? A rookie to a pro, never stalling, always grinding. No chandelier, but I'm shining. What the fuck now? So what the fuck now? Hated on all these rappers, I must be the dopest out. I hold it down for my city, like I'm writing in the wind, hiking with the pen, cause it is a trip when I do this. Witness my vision, I'm trying to take you into my mind. Never will find any rapper of my kind. I ain't lying, I'm my own breed. I am a one of a kind, said I'm my own breed. I am a one of a kind, I'm trying to get my shit bumping from coast to coast. Florida out to Cali, have it spread around the globe. Get them yelling my name out in the UK, then get them repping my shit over in Paraguay. See, it's more than the money, than the clothes and honeys. I'm talking making a name, making something out of nothing. Fuck all of these haters, man, I guess they fear me. Surrounded by all of them, yet they all are nowhere near me. With a dream and a team full of fiends for the green, I mean, and we gon' hustle till we rank supreme. Logged into the game, here to stay, leave a stain, remain to transgress with every bar I raise. The bar, I ain't shooting for par. I'm trying to take this whole thing to a level you ain't seen before. And if you don't respect it, I respect your judgment. It's like I'm playing, if you hate it, you can suck it, motherfucker, doing what I love. Get gassed up by a hater, pass you up, see you later, take off higher than the skyscraper. Flowing with dopeness, I only hope that it spills. Holding the quill, slowly molding onto my will. Pick up the pen, I'm almost ready for the kill. Ice in my veins remain to stay chill. They don't wanna see me make it, they'd rather see me fall. Gives me every reason to prove them all wrong. I've been plotting, never stopping, gotta go and get it. I'm gon' get it, never stress small shit. I'm just tryna ball, shot call, cop a new car, show a dog to a mall, yelling fuck you if you hate it, dawg.